Salut les gars, on est à la salle de musculation. Musculation. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est dans la salle de musculation. Coucou les loulous. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui jeudi. Je vous filme enfin ma grande semaine de taf. Je travaille 5 jours dans cette semaine. Oui, c'est normal. Non, des fois je travaille que 2 jours dans la semaine. Donc là, c'est ma grande semaine de taf. Et je suis à la maison. Toute seule depuis samedi. C'est grave cool de ouf. C'est cool et ça me prépare à ce qui se passera plus tard. Parce que ce sera dans ma grande semaine de travail que j'aurai. La liberté, voilà, que je serai à la maison toute seule, que je serai toute seule à la maison, donc voilà, ça me prépare un petit peu. C'est cool, j'ai passé mes 2 premiers jours à ranger un peu le bazar, et quand je vous dis ranger le bazar, c'est carrément ouvrir des placards et me dire ça n'a rien à faire là, à ranger vraiment comme ça. J'ai fait 3 heures de jardinage, je vais vous montrer, venez avec moi, hop là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant mon jardinage. Où sont mes chaussons? C'est pas grave, on va y aller sans chaussons. Je vous explique un peu l'idée. Il y a un endroit où il y a des plantes qui poussent une fois l'année. Et là, c'est bon, elles ont fini de pousser. Et donc, du coup, à chaque fois, à cet endroit-là, il y a la blinde de mauvaises herbes. Et c'est des mauvaises herbes, mais grimpantes de ouf. Enfin, c'est trop chiant. Et donc, du coup, il y avait des cailloux autour et tout. Blablabla. Et du coup, ce que j'ai fait, attendez, je vais vous tourner, je vais vous montrer. Ah, mais je vais avoir, j'ai tendu la pelouse, il faut que je mette des chaussons, parce que sinon je vais en avoir plein les pieds. Et vu que j'aimerais aller à la salle de sport après, ouais, je sais, j'ai aucune envie, on en parle après. Donc du coup, grosso modo, ce que j'ai fait, je vais chercher mes chaussons en même temps. Ah bah, elles sont à mes tartanes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes, ok. J'ai coupé la plante, ok. J'ai rajouté de la terre, tu sais, de ma mode de terre que j'avais il y a longtemps, là, toujours la grosse mode de terre. Donc j'ai rajouté de la terre. J'ai mis un espèce de film géotextile. Ensuite j'ai remis bien les cailloux droits. Et ensuite j'avais j'avais trouvé des planches. Enfin, j'avais dans mon jardin, les anciens propriétaires nous avaient laissé ça. Des planches d'ardoise que j'ai pété du coup avec un marteau ou avec les pierres. Et j'ai fait un espèce de truc. Tu vois, j'aurais dû vous montrer le avant-après. Grosso modo, le après, c'était juste un massif avec des cailloux qui étaient enfoncés dans la terre tellement on les voyait plus. Et plein de mauvaises herbes, ok. Donc j'ai essayé de faire un truc avec en achetant rien du tout, en fait. Grosso modo, c'est ça. Je vous montre ça. Je vous montre ça avec mes tatas. Donc tu vois, là, j'ai tombé la pelouse. Donc j'ai fait ceci. Hop là. J'ai fait ça, alors je sais pas si c'est joli non plus, tu vois, mais en tout cas c'est fait avec avec ce que j'avais déjà, c'est-à-dire les pierres du jardin, des espèces de... Mon frère m'a dit c'est pas mal, tu vois, des espèces de briquettes là, et du coup j'ai coupé la plante, et du coup j'ai gardé que 2 trucs qui s'allument dans la nuit, mais il y en avait que 2 qui fonctionnaient, donc... J'en avais 6 qui fonctionnaient pas, à quoi ça sert. Franchement les gars, n'achetez pas les trucs de chez Action, parce que les trucs de chez Action, ça ne tient pas. Ça, je sais pas si c'est Action. Celui-là, il avait tenu, si tant est que ce soit chez Action, que ça existe, mais ça c'est le roi Merlin, tu vois. Celui-là, il tient très très bien. Il coûte cher. Non, c'est Truffaut. Il coûte cher, mais au moins il fonctionne depuis 3 ans, alors que ceux d'Action ne fonctionnent pas. Sauf celui-là, mais les petits trucs à la con de chez Action, ça fonctionne pas. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai mis les pierres droites en les mettant bien enfoncées dans la terre, en faisant des petites tranchées et en les enfonçant bien dans la terre. Donc voilà, c'est un peu plus joli. Et comme je vous dis, voilà, c'est fait avec c'est fait sans rien acheter. C'est pas un truc de fifou, mais au moins j'ai rien dépensé. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire un peu la même chose, mais avec des pierres blanches et tout. Mais voilà, au moins, tout ça, c'est gratuit. Et donc, du coup, en dessous, j'ai un espèce de film... Je pense qu'on va le voir. Alors, j'espère que les enfants ne vont pas s'amuser à jouer avec, tu vois. J'ai un espèce de film comme ça, là, pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. Faudrait que j'en pète encore un petit peu pour que ce soit nickel. Et voilà, tu vois un petit peu l'idée. Hop, ouais, j'en repèterai un peu plus. Mais voilà, les mauvaises herbes ne vont pas repousser et c'est cool.
Et c'est cool, voilà ce que j'ai fait. Ça m'a pris 3 heures, mine de rien. Ça m'a pris 3 heures, je vous jure, entre tailler les trucs, enlever les mauvaises herbes, rajouter de la terre, mettre le film, péter toutes les briquettes avec de la pierre. Ça faisait du bien par contre. Voilà, ça m'a pris 3 heures. Et ouais. Sinon, au niveau jardinage, bah, j'ai tondu un petit peu la pelouse. J'ai coupé un peu ça là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai taillé cet arbre qui est là. J'ai taillé un petit peu tout ça et puis voilà. Donc, oh là là. Voilà ce que j'ai fait. Là du coup, on est, comme je vous l'ai dit, j'aime bien ça. Comme je l'ai dit, on est jeudi. Hier j'ai vu une pote à moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, ça m'a fait grave plaisir. En plus j'ai mangé avec sa famille et tout, c'était grave cool. Mercredi, franchement je passais en ce moment c'est cool. Mercredi, je suis allée au sport avec mon collègue de taf. Il y a mon frère qui était là aussi. Donc c'était cool. En plus, le gars de fitness park trop gentil parce qu'il a offert l'entrée à mon frère. Normalement, c'est 15 balles quand tu t'es pas abonné. Tu vois, juste une séance de découverte. Mon frère lui a texto, c'est pas... Je veux pas m'inscrire, c'est juste pour faire avec ma soeur. Il a dit, vous savez quoi, je vous l'offre. Ça a fait grave plaisir, tu vois. Donc voilà, donc j'étais avec mon frère. Il a fait son sport dans son coin parce qu'il a, une routine particulière. Et du coup, moi, j'ai fait mon sport. Il y a eu un conflit un peu au taf, donc ça m'a saoulé parce que du coup c'était en train de régler le conflit sur WhatsApp. Ça m'a un peu pété ma séance de sport, franchement ça m'a saoulé. Ça va que j'étais avec mon collègue de taf et que du coup on a pu en parler ensemble. Franchement c'est con, mais je suis contente. Quand il y a un problème au taf, moi ça me saoule, ça m'énerve. Et en fait il y a un problème de communication, bref, ça m'a saoulé de ouf. Et j'étais contente, mine de rien, ça m'a fait grave du bien. Même si j'en ressasse encore depuis 2 jours là, que j'ai envie de péter la gueule de tout le monde. Et ben, je suis contente que le conflit soit passé au sport plutôt que je sois à la maison en train de gérer les enfants, les machins, les trucs, nanana, et que voilà, tu vois, j'étais quand même contente, mais ça m'a quand même grave saoulée et c'est pas fini, je pense. Donc du coup ensuite on a fait le sport avec mon frère, on est rentré à la maison, on avait acheté du sushi juste avant. Ah mais je suis bête, l'ouverture de vlog elle s'est faite avec mon frère. On a mangé des soucis, on s'est posé, on a discutaillé, on s'est couché. Le lendemain matin, du coup, il y a mon frère qui est resté un petit peu à la maison. Et vers 11h30, je crois qu'il est parti. Et moi, du coup, j'ai tendu la pelouse. Et ensuite, j'ai été voir une pote à moi, voilà. Et on a traîné un peu dans un parc. Elle était avec sa cousine et la fille de sa cousine. C'est tranquillou, on a mangé en famille. Il y avait sa grand-mère, sa maman, sa soeur. C'était grave cool, ça fait plaisir. Et voilà, je suis rentrée hier, il était 23h30, j'étais claquée au sol, j'étais complètement claquée. Alors que d'habitude, je suis pas claquée, il était 23h, je suis en mode pour me pay up. Et voilà, et là, il est 12h27, je n'ai aucune motivation pour rien. Il y a un pote qui va passer à la maison ce soir, franchement, ça fait trop plaisir de dire. Il y a un pote qui va passer à la maison ce soir, tu vois, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et du coup, bah, moi, je suis en train de faire un petit montage. Shein, la vidéo que vous avez vue vendredi, du coup c'était pour des spéciales vêtements de sport. Je vais faire ça et après j'en ai aucune envie, je n'ai pas envie, mais je vais me motiver pour je ferai ça après, je vais me motiver pour aller au sport. Voilà, je vais me motiver pour aller au sport parce que je pense honnêtement, je vais essayer de vous emmener avec moi, mais je pense honnêtement que je ne pousse pas, que je suis trop dans une zone de confort, que je suis trop genre easy, genre ça va, je maîtrise. Alors que je pense que je me fais pas assez violence. Alors attention, je vous dis pas de vous faire violence et de vomir jusqu'à la fin, mais tu vois, quand je fais les exercices, la presse, le machin, les trucs, je trouve que je me fais pas assez violence et que il y a qu'avec mon pote que j'ai des courbatures. Alors je sais pas parce que t'as des courbatures que t'as fait une bonne séance, même si beaucoup pensent ça. Non, mais je pense qu'il y a un truc qui cloche parce qu'au niveau de l'alimentation, franchement, ça va. Après, je me fais des gros petits déjeuners de fou, mais je suis toujours en hypocalorique, c'est-à-dire que je mange moins que ce que je consomme, mais je ne perds pas de poids. Alors même si mon pote m'a dit oui, tu perds pas de poids, blablabla, blablabla, c'est pas grave. Je sais que je gagne du muscle et que je fonds en graisse. Alors oui, je sais que la graisse, le muscle se transforme en graisse, blablabla, mais j'ai
j'aimerais quand même perdre du poids. J'aimerais quand même perdre du poids parce que juste psychologiquement, j'aimerais. Ce matin, je me suis pesée, je me suis dit ça va aller. Non, 71 kilos, non, ça va pas. J'aimerais quand même descendre sur la barre des 69, sachant que mon objectif c'est 64. Mais j'aimerais quand même descendre à la barre des 69. Là, psychologiquement, là, tout de suite, maintenant, ça me ferait du bien. Voilà, ça me ferait du bien. Elle a énervé. Mais voilà, donc je pense qu'il faut que j'essaye de pousser un peu plus. Un peu plus, parce que même moi je le sais, je le sais que voilà, genre au niveau de la presse, je me mets à 25. Alors que la dernière fois j'ai essayé 50, ça passe easy. Ça passe easy. Même au niveau, c'est l'exercice où t'es comme ça là, où tu fais ça là, comme ça. J'étais à 15 et la dernière fois j'ai mis 25, ça passe aussi easy. Donc faut que j'arrête un peu 2 minutes quoi. L'objectif n'est pas de se faire mal, hein, mais l'objectif est de quand même arrêter de faire genre ça va, je maîtrise. Alors que non, ça va, tu pousses 15. Voilà. Donc voilà, donc je n'ai aucune envie. Je n'ai envie de rien. Et j'ai motivé pour aller à la salle et ensuite je vais me motiver pour aller faire des petites courses parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose à manger et voilà, je vais me motiver pour aller des petites courses. J'espère que ça va être des petites courses et pas des grosses courses parce que moi je me connais, à chaque fois que je vais faire des courses, ça finit en courses de malade. Donc voilà, je sais pas si je vais faire les... L'idéal ce serait que j'aille faire les courses avant parce qu'une fois que je serai allée à la salle, j'aurais pas envie d'aller après faire les courses, je vais aller à la Lidl. Donc voilà, je n'ai aucune envie du tout. Mon pote il arrive vers 18h, donc faut que je me mène le bourrichon, mine de rien, il est midi et demi là. Donc on va faire ça. Voilà, on va aller à la salle. Les courses, la salle, les courses, je sais pas lequel des deux. Mais grosso modo, t'as compris un petit peu l'idée. Voilà, les gars. Et du coup la vidéo elle va mouliner. Faut que je fasse un peu aussi ma. Oh, quoi que j'ai le temps, demain ça va, demain c'est une journée tranquillou. Mais voilà, faut que je mette ma vidéo à mouliner sur YouTube. Et voilà, bref. En plus, ce qui est cool, c'est que je vais aller à la salle, je vais pas me laver, je vais juste essayer de me coiffer un petit peu. Tu vois l'idée, c'est chiant quand ça repousse parce que t'as les cheveux crépus là, voilà. C'est roux. Jamais contente, elle est jamais contente. Coucou les lignes. Hier, je voulais aller à la déchetterie. On s'en fout un peu, mais hier, je voulais aller à la déchetterie. Et... Ah, bonsoir. Et du coup, je pensais que j'avais pas ma carte de déchetterie. Du coup, j'ai appelé. Je fais, est-ce que je peux venir sans ma carte? Ils m'ont dit non. Non. Donc, du coup, j'y suis pas allée. Et aujourd'hui, comme par hasard, j'ai retrouvé ma carte. Je pensais l'avoir oubliée au taf. Maintenant, j'ai trouvé ma carte. Du coup, enfin, j'ai pas oublié ma carte à la déchetterie, mais j'avais oublié mon porte-carte à la déchetterie. Du coup, avant d'aller au sport... J'ai été à la déchetterie et ensuite là je viens de me garer il y a 10 minutes devant le parking. Je me dis mais j'ai oublié ma serviette là, une serviette de sport, ça sert à quand tu mets sur les ateliers, puis même quand tu sues de ouf, t'es bien content d'avoir une petite serviette. Du coup je me suis dit où est-ce qu'on peut aller trouver une serviette à Action, bien sûr. Donc du coup j'ai été à Action et je vous fais un petit haul Action des familles parce que bien sûr je n'ai pas acheté qu'une seule serviette. Voilà, j'ai trouvé du coup cette serviette là qui fait 70 sur 140. J'ai pris une grande tant qu'à faire, ça ne servira que pas pour le sport. Elle est à 3,99€. Ensuite j'ai pris des petites chaussettes comme ceci, j'ai super chaud, de tennis, c'est 2,89€. Moi à chaque fois je pique celle du papa des enfants, donc du coup je me suis dit bah, je vais en prendre pour moi, ça va être bien. J'ai pris comme d'habitude du rouleau adhésif comme ceci, ça coûte 85 centimes l'unité pour mes envois. Then said, je me suis dit tant qu'à faire, j'allais prendre mes petits fruits séchés. C'est 1,79€, c'est des abricots séchés et franchement je kiffe de ouf pour moi le au matin, petit déjeuner. J'ai pris également un coupongle rose, comme ça mon ex ne va pas le piquer parce qu'il est rose celui-là. C'est 99 centimes, parce qu'à chaque fois je cherche le coupon, ça me saoule. Et comme ça, je sais qu'il repartira pas, inchallah, avec le rose. J'ai pris également ceci, c'est de la peinture pour le métal. À chaque fois que j'y allais, j'en cherchais. Là, je trouvais pas, j'avais la flemme d'aller à la Romain. C'est 7,99€, c'est trop cool, je vais pouvoir faire des choses dans le jardin. Un gros pot, donc du coup, je vais peindre. Et j'étais tellement chaud, je vais peindre et le truc à côté du puits. Et puis en même temps je vais peindre également, c'est con, j'ai envie de peindre là du coup. Et en même temps je vais peindre le tube dans le jardin, le truc
pour faire sécher les vêtements. Et j'ai pris également un petit déodorant comme ceci à 1,89€. Et j'en ai en tout pour 22€. J'ai pris juste le ticket de caisse pour vous montrer ça. J'en ai eu en tout pour 22€. 22,99€. Et j'ai un truc à gratter. On va gratter ça. Ok. Oh, ok, super. Ça me saoule les trucs comme ça. Je suis sûre que personne ne le fait. Tu sais, grosso modo, t'as un code. Et puis ensuite, avec le code, tu dois aller sur un site internet. À chaque fois, tu dois t'inscrire avec ton adresse mail pour qu'ils te mettent dans des trucs. Pour ensuite, tu reçois. Vous avez gagné 50. Enfin, pour que tu reçois des spams. Et ensuite voilà, tout ça, tu passes genre 5 minutes à t'inscrire sur le tube pour savoir si t'as gagné, tu mets ton QR code, enfin tu mets ton code qu'on t'a donné, on te dit que t'as perdu et puis après voilà, ils ont récupéré toutes tes informations et tout, et moi ça me saoule, je passe, merci, ça va quoi. Donc là je vais pouvoir aller à la salle de sport. Franchement, la fille n'est pas motivée, mais une fois que je vais... j'étais pas motivée pour le trajet. Je ferai mes courses après, donc je vous ferai un petit retour de course des familles. Et donc direction la salle de sport. Et ensuite, j'irai faire mes petites courses Lidl. Voilà, je vais m'acheter du fromage blanc. Je vais essayer un peu d'alléger le repas que je me fais le matin. Parce que franchement, le repas du matin, il est lourd. Très très lourd, je vous dis, à peu près 500 calories le matin. Donc c'est un petit peu beaucoup. Donc voilà, on y est, on est à la salle de sport. Hop, je me gare, j'étais exactement garée là tout à l'heure avant de me dire eh mais j'ai oublié ma serviette, mais quelle bouffonne, sérieux, quelle bouffonne, je te jure. Hop, bang, on prend son petit truc d'eau, sa petite serviette. Est-ce que j'ai ma bouteille d'eau? J'ai ma bouteille d'eau. Ouais, c'est tout ça, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai mon téléphone portable, là j'ai mes écouteurs, j'ai ma serviette, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon soutien-gorge. Franchement les gars, j'ai tout ce qu'il faut, on est très très bien. En ce moment, j'arrête pas d'oublier d'enlever mes clés de voiture. Tu sais, quand je m'en vais, j'oublie mes clés de voiture, mais c'est un truc de fou quand même, c'est un truc de fou. Donc voilà, on est là bébé. Les loulous, j'ai fini ma séance. Faut pas que j'ai quelqu'un qui rentre. J'ai fini ma séance de sport. Ça fait du bien de fou. On dirait pas que je parle en direct, mais si, je parle en direct. Regardez, je bouge en même temps. Donc j'ai fini ma séance. Je suis contente. Attendez, je vais vous retourner. Yeah, bébé. Il est 16h38. Je suis grave contente. Alors, je suis contente de moi. Je suis fière de moi, je suis contente de moi. Donc c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des courses. On va faire des courses. Ça a coupé, je sais pas si ça a enregistré. Je disais que j'étais fière de moi et que mon pote arrivait dans 1h30. Donc il va falloir que je me manie le fion. Que je me manie un petit peu le fion. Donc c'est cool. Voilà, je vais récupérer mes affaires dans mon petit vestiaire. Et après, on va... Hop, je vais aller à Lidl, hein. Je vais pas me prendre la tête, juste à côté. Hop là, un pétard. J'ai tellement hâte, là c'est horrible hein, parce que je vois pas encore les résultats. Physiquement parlant, je vois pas encore les résultats. Ah, dans la glace, j'entends dans la glace. Je me sens un peu plus forte, un peu plus en forme, un peu plus lagnaque. C'est bizarre, mais le seul truc où je vois la différence, c'est au niveau de mon visage. Quand tu fais du sport, j'ai l'impression que le visage il change un peu, tu vois. Peut-être la circulation sanguine, je sais pas. Donc on verra. Les loulous, ça me saoule, j'ai un problème. Quand je suis revenue avec mon frère, il y avait genre une trentaine de mouches au niveau de mes draps. Mes draps qui sont d'ailleurs défoncés
De caca de mouche, ça me saoule. Et là j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai cinq. Et quand je suis rentrée tout à l'heure, il y en avait pareil, une vingtaine. Je ne sais pas. Je pense que c'est des mouches qui ont éclos, mais j'arrive absolument pas. La poubelle est propre, il n'y a pas d'eau stagnante, il n'y a pas de tout ça. Je ne sais absolument pas où pourraient être ces larves. C'est des mouches qui sont un peu cons dans la mesure où elles se laissent défoncer tout simplement. Dans la mesure du possible, j'essaye de les faire sortir par la fenêtre. Mais même genre hier, j'en ai pris 5 avec l'aspirateur. Genre juste en passant l'aspirateur, elles restent par terre, genre elles cherchent à crever les mouches. Assez bizarre. J'ai installé du coup ce truc dégueulasse. Voilà, on aime, on adore. Mais très très chaud, très très chaud. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème? Comment faire pour trouver... pour moi c'est des... elles sont pas petites. Est-ce que des mouches qui viennent de naître elles sont forcément petites? Je ne sais pas, c'est relou. Je suis encore en mode crasse-pouille dégueulasse. Et mon pote qui va pas tarder d'arriver. On est mal, on est très 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 mal. Coucou les gars, c'est moi. Est-ce que ça fait pas chelou d'être dans la grande chambre? Ça fait oui château. Il est là. Ouais. Alors, on voit pas grand chose. J'allume la lumière. Hop. Ça fait une semaine que je dors dans le grand lit. Et franchement, on est bien. On est très très bien. Alors, désolé pour ma mine déconfite. Il doit être à peu près 22h30. Faut pas que je me frotte les yeux, sinon ça va être encore plus compliqué. 22h30. Je suis un peu fatiguée. Est-ce que des fois ça vous arrive, genre le matin? Genre quand vous levez à la même heure pour aller au taf, des fois vous êtes vachement rapide et des fois vous êtes tellement lent pour vous préparer, c'est un truc de fou. Moi je me lève 50 minutes avant de partir au taf et aujourd'hui j'étais au taquet, genre un quart d'heure avant de partir, alors que d'habitude je suis tellement la bourre, mais laisse tomber. C'est bien les jours comme ça, ça fait si bien. Aujourd'hui on est donc vendredi, je vais clôturer le vlog de façon à le faire tranquillou bilou au taf. Demain, le matin, château d'amour. Oh là là. Oh là là. Il va très très bien, le petit chat. Ah, il a repris du coup son traitement classique. Parce que je vous avais dit que la vétérinaire s'était trompée de traitement. Ça avait fait un petit échange standard. Et voilà, il va très très bien. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah hier du coup j'étais au sport. Aujourd'hui j'ai travaillé et toujours ce problème de mouches, c'est trop chelou. Du coup quand je suis rentrée chez moi il y avait encore des mouches. Mais bref, j'ai travaillé, j'ai été encore au sport parce qu'à la base j'avais un collègue à moi qui avait pris sa journée mais finalement il n'a pas pu avoir sa journée. Du coup c'est le collègue avec qui je fais du covoiturage. Donc du coup... il allait au sport, donc j'en ai profité pour aller au sport également. C'était pas une séance fifou. Il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, que je pousse un petit peu plus. C'est ce que j'ai fait et surtout que j'accentue mes mouvements histoire de bien sentir un peu les muscles qui se contractent, n'est-ce pas? Et j'ai fait un nouvel exercice sur un appareil, je vous montrerai. Franchement, c'était cool parce que. Je suis sortie à 20h, à 20h il n'y avait personne dans la salle, enfin c'était genre 10 pélos, tu vois, c'était cool. Faut que je teste d'autres machines mais j'ose pas demander à des gens, tu vois, j'ose pas demander à des gens. Donc voilà, faut regarder les tutos et tout ça. Et j'ai fait une nouvelle machine de cardio. C'était assez cool, j'ai bien apprécié. Surtout que souvent sur les machines, c'est des machines Gym Tonic, la marque. Genre la machine coûte 18 000 balles, tu vois. Ouais, laisse tomber. Mais vraiment 18 000 balles. Hein. J'ai regardé sur internet, laisse tomber. En fait, c'est un espèce de stepper. Vraiment debout, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais... En fait, souvent les steppers, t'es comme ça, tu vois. Et là, t'es... Je suis nulle pour expliquer les choses. T'es vraiment toujours en position... En fait, un stepper c'est toujours debout, mais là en fait, les rames, tu vois, les rames du stepper, enfin les espèces de voiles et les rames, on va dire, tu vois, elles sont vraiment, elles sont comme ça. Et là, je suis vraiment nulle, je suis pourrie à souhait. Et là, au lieu d'être comme ça, elles sont comme ça en fait, tu vois, donc t'es vraiment bien droite, t'es pas un peu penchée comme ça, tu sais, quand tu fais le truc. Voilà, avant, quand tu fais du stepper, t'es aïe. Je t'explique un peu. Quand tu fais du step, on en a à la maison. Quand tu fais du step,
Oh il est chiant cet appareil photo, là, il tourne l'image. Mais quand tu fais du stab, tu vois, t'es souvent... Enfin, je suis vraiment pourri. Attends, je vais essayer de vous mettre un peu en hauteur pour que je vous montre un peu le mouvement. Hop là, là c'est pas mal. Quand tu fais du stepper, en général, t'es plus... Voilà. T'es plus comme ça, tu vois. Un peu penché, comme ça. Hop, et t'as les trucs. Et du coup, la machine, elle fait vraiment comme ça. Tu vois un peu l'idée. Vraiment, t'es comme ça, quoi. Ok ? Et vraiment, tu vas loin dans ton geste. Je trouve. Et là, en fait, la machine que j'ai testée, bah, t'es vachement plus droite. Et ton pied, en fait, au lieu de faire un espèce de truc comme ça, et bah, il fait plus un truc un peu comme ça, tu vois. Un peu plus droit, tu vois, un peu plus genre squat ou stepper. Tu vois un petit peu l'idée, quoi. C'est plus du machin stepper. Tu vois un petit peu l'idée. Donc voilà, donc c'était cool. Et en plus, mine de rien, ça m'a fait dépenser 190 calories. Et alors après, je me dis pas que les calories, c'est vraiment des calories machin du visuel. Mais voilà, ça m'a fait dépenser 197 calories pour une session de 20 minutes, ce qui est pas dégueulasse. Et voilà, aujourd'hui, j'avais pas envie de faire du vélo, j'avais pas envie de faire les marches. Changement de place. J'avais pas envie de faire du vélo, j'avais pas envie de faire les marches. J'avais envie d'un truc un peu tranquillou, bilou. Je vais essayer de vous trouver la photo. Attendez. C'est bien de parler, mais bon. Hop. Alors, attendez. Je suis sur l'internet. Hop. Gym tonique. Je crois que c'est comment ça s'appelle. Bah, super, j'ai pas internet. Attends. C'est Gym tonique qui s'appelle. Je sais pas. Comme ça, je vous explique un peu l'idée, quoi. Technogym, je dis n'importe quoi. Technogym, comment tu peux appeler un truc Technogym. Hop. Yes, Technogym, c'est ça. Oh, j'ai mangé il y a pas longtemps. Donc c'est elliptique. Ouais, je suis en train de faire la recherche en même temps. D'où ma tête un peu déconfite. Hein. Avec le... Comment dire, la lumière du truc. Alors attendez, autoriser les cookies. J'autorise les cookies et puis les cookies. Voici, bon, j'aime plus l'idée. Bah, c'est franchement, c'est le moment où je vous expliquais. C'est ah, il me saoule cet appareil photo. J'ai un problème là, vous allez pas voir, mais en fait. On voit pas la différence, attendez, je vous tourne, mais c'est parce qu'en fait je suis en train de resserrer les vis qu'il y a derrière l'appareil photo, parce que moi ça tombe tout le temps. Bref, grosso modo, un stepper en général c'est plus comme ça, tu vois un peu l'idée, donc le mouvement il va être vraiment comme ça, tu vois. Et là en fait, le stepper que j'ai pris, tu vois, 18 000 balles le bordel, le stepper que j'ai pris il est comme ceci. Donc si tu veux, en fait, quand tu fais des mouvements comme ça, t'es vachement plus loin dans ton geste. Je suis nulle à yesh. Et là en fait t'es beaucoup plus droite, tu vois, t'es plus droite parce que du coup ça fait des... Enfin, voilà, t'es plus droite. C'est ça l'appareil que j'ai fait. Et franchement, c'était grave cool. Amplitude de foulée adaptable. Ouais, franchement, c'est grave cool. Faut que je regarde quel genre de muscles ça te fait marcher. Mais j'avais un peu plus l'impression que je fonctionnais plus sur les fessiers. Donc voilà, les gars. Rien de particulier. Normalement, toute la famille rentre demain. J'ai même pas... regardez, là, j'ai un colis Vinted qui faudrait que je fasse une vidéo. J'ai pas du tout français ce que je viens de dire. Mais là, j'ai un colis Vinted, il faudrait que je fasse une vidéo. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Parce que du coup, j'ai été 4 fois à la salle de sport, là, cette semaine. Je pense que je vais essayer d'y aller également dimanche. Je vais essayer d'y aller dimanche. Et ouais, j'ai hâte de voir les résultats. Au niveau de mon poids, pour information, j'ai perdu. Genre, j'ai l'air de calculer. Hein. Mais je suis toujours à 71 kg. J'ai dû perdre même pas 1 kg en fait. Et par contre, j'ai perdu 1 kg de
de gras en fait. Ma masse graisseuse, elle était à 16,2 et là elle est à 15, elle a enfin elle était à ah non, oui, elle était à, je crois que c'est ça. Elle était à attendez, putain. Pourquoi? Pourquoi je fais des trucs comme ça? Pourquoi je ne vous dis pas clairement les choses, hein, histoire de que ce soit plus carré. Parce que du coup, en fait, j'ai une balance à impédance qui mesure un peu ma masse de graisse. Donc ce mois-ci, hop, le 1er août, on était à, d'après ma machine, hein, on était à combien de kilos? Pourquoi il ne me le dit pas, ce petit voyou, ce petit coquin, ce petit guiquinou d'amour? Hop, ok. Le 1er août, on était à 71. Je vais essayer de vous faire un bilan tous les mois. Mais le 1er août, on était à 71,8 kilos. Là, on est le 22, c'était du coup hier. On est à 71,1, tu vois. Donc en poids, j'ai perdu 700 grammes, d'accord? 700 grammes, le poids d'une petite joucroute. Donc en poids, j'ai perdu 700 grammes. Mais par contre, en muscle, je faisais 53,3 kilos. Ah, oh, j'ai un truc sur le front. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dégoûte. Je sais pas ce que c'était. Mais du coup, je disais qu'en muscle, je faisais 53,3. J'ai l'impression d'avoir un truc dans les cheveux. Hop, 53,3 kilos de muscles. Et là, je fais 53,7 kilos de muscles. Il y a des choses qui ont disparu, on ne sait pas. Hop, j'ai toujours le même nombre de kilos d'os, c'est-à-dire 2, j'ai une bestiole sur moi. Ah non, mais dis pas que c'est une puce. Ah, parce que là, ça va me saouler. Là, ça va. Ouh! Attendez. Parce que moi, je m'y connais en puce, hein. Pas le moment d'avoir des puces à la maison. Je sais pas si c'était une puce, mais là, il est hors de question que j'ai des puces à la maison. Je te le dis très cher, hein, je te le dis. Bref. Donc, je suis passée de... Désolée. 53,3 de muscles à 53,7 de muscles. Et je suis passée de 16,2 kilos de graisse, donc 16,2 à 15 kilos de graisse. Tu vois un petit peu l'idée. Donc d'après l'application, voilà, ça fait tout. Enfin, c'est bien en fait d'avoir ce genre de balance parce que du coup, bah, quand tu perds pas de poids, tu te rends compte qu'au final tu as pris du muscle et ouais, c'est déjà cool, tu vois. Donc voilà, j'ai perdu 1 kilo, 1 kilo de graisse. Voilà. Voilà, j'ai perdu d'un coup, mais ouais. Voilà. Après, des fois ça remonte, des fois ça redescend, mais pas de grand chose. Donc voilà. Mais je suis bête, il y a tout marqué là à côté, là. 1,2 kg de graisse. Donc voilà, les gars, où on en est. Je vois pas de différence. J'espère que je vais pas trop vous saouler avec le sport et tout, tu vois. Mais je vois pour le moment. Voilà. C'est pour vous dire qu'il faut pas. Qu'il faut s'accrocher. Parce que depuis un mois, enfin même. Enfin 23 jours, je vois. Pas vraiment de changement notoire au niveau de mon corps. Je me sens pas plus bonne, la plus bonne de toutes tes copines. Je me sens pas plus sexy, plus machin, plus truc. Je me sens toujours molle. Je me sens toujours molle et flasque quand je me. Mais mine de rien, je me sens un peu plus solide. Comme je vous l'ai déjà dit, je me sens un petit peu plus solide. Et je sens que mon ventre est un peu plus plat. Tu vois, en fait, je sens que. Hop, il est là, tu vois, mais voilà, c'est vraiment tout mou, tu vois. Il n'est pas genre gonflé, défoncé. Voilà, il n'est pas gonflé, défoncé, de ouf, il est. Voilà. Enfin, c'était sexy, hein, ce que je viens de vous faire. Ah, c'était sexy de ouf. Mais voilà, je sais pas si tu vois un peu plus l'idée. Et je me sens un peu plus forte. Je le constate, genre, je me sens plus tonique en fait, tu vois. Genre, quoi, quand je suis au taf, tout à l'heure, il y avait une copine qui m'attendait, elle me dit, ouais, je t'attends et tout pour finir, pour sortir. Et du coup, je me suis mis à courir, enfin, tu vois, je me sens un peu plus. Un peu plus.
un petit peu plus tonique, donc ça c'est cool. Et je pense que j'ai gagné en force parce que du coup je pousse un petit peu plus fort sur certains exercices. Je sens aussi que j'ai un petit peu gagné en cardio. Il faudrait vraiment que j'arrête de fumer. Je dis ça tout le temps mais j'ai pas envie. Mais voilà, je trouve que j'ai gagné un petit peu en cardio parce que bon, après j'ai déjà. Franchement, c'est pas pour me raconter, mais je pense que j'ai un peu que j'ai un peu des facilités par rapport au cardio. Même si à la fin, des fois, quand je cours, hein, je suis au bout de ma vie, je suis en... Mais voilà, c'est un petit peu ça les résultats. Mais voilà, je me trouve pas changé, machin, truc, bidule. Enfin, je vois pas de différence notoire entre le avant ou après. C'est plus à l'intérieur de mon corps que je sens. C'est plus à l'intérieur de moi-même que je sens une différence. Et c'est ça le principal. C'est ça l'objectif, c'est de se sentir mieux. À l'intérieur de soi-même. C'est un peu compliqué à expliquer, mais bon, on a compris un peu l'idée. Voilà. Je suis super contente parce que j'ai passé une très très bonne semaine. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai passé une super bonne semaine solo à la maison, tout ça, nani, nananana. C'était cool, mine de rien, même si j'ai travaillé pendant ces 5 jours. Après, faut dire, les enfants, ils sont partis le samedi. Matin, donc forcément j'avais un week-end complet, mais j'ai trouvé voilà que j'avais eu le temps de faire des choses, de voir du monde, et c'était super appréciable, tout en n'étant pas fatiguée. Demain je dis ça, mais demain je vais être en mode. Donc franchement c'était grave chouette, grave apaisant, et ça m'encourage, enfin ça m'encourage pas, mais ça me fait du bien par rapport. Par rapport au futur de ce que va être ma vie une fois que je serai en garde alternée. Donc c'est cool, franchement c'est assez cool. Voilà, c'est super cool, franchement j'ai passé une bonne semaine très... après un mois plus qu'et demi à être à la maison en mode c'est les vacances scolaires, quand t'es de repos, t'es avec les enfants, naninana, après un an de séparation bien entamée, bien pesée, tu vois, et ben je vous avouerai que là, la semaine toute seule à la maison m'a fait le plus grand bien. C'est la première fois du coup de ma vie de maman que les enfants partent une semaine avec leur papa. Aucun stress hein, du tout. Mais du coup voilà, c'était cool, c'était une très très bonne semaine. Je suis contente de ma semaine, je vous ai pas pris beaucoup pour vous parler de voilà, il y a eu beaucoup de choses par rapport au sport. Mais bon, un petit peu action, tout ça. Mais ouais, ça m'a fait du bien. J'ai fait voilà, un peu de jardinage, de machin, de trucs. J'étais à la déchetterie, je vous l'ai dit, voilà, rien de fifou, mais j'ai réussi à conjuguer, alors pas tout non plus, mais j'ai réussi à conjuguer. Bah pas mon rôle, si un peu mon rôle de maman, de ménagère, parce que du coup j'ai fait un peu de rangement dans la maison, j'ai retapé leur chambre, nani nani nana, j'ai fait les lessives, les trucs, les bordels. J'ai réussi à avoir des amis, j'ai réussi à taffer en même temps, et j'ai réussi aussi à conjuguer le fait de prendre soin de moi par rapport au sport, et j'ai aussi réussi à mélanger le côté YouTube, le côté autre travail. Donc je vois, je suis assez contente de moi. Faut juste rajouter à ça un petit mec charmant qui passe par là, tu vois, et puis on sera plutôt pas mal. Donc c'est cool, c'est assez cool, ouais, franchement c'est top. Je suis contente, voilà, je suis contente parce que comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois dans les vlogs, je vais essayer de me poser un peu, de prendre soin de moi, de penser à moi, de penser à de réagir sous le feeling, les choses qui me donnent envie sur l'instant T, et c'est cool, voilà, c'est entre de bons chemins, donc je suis contente, voilà, je suis très 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 contente de cette petite semaine, et ça me donne pas de l'espoir, mais t'as compris un petit peu ce que je voulais dire. Les gars, je vais vous laisser là. Ça me gratte, je vais aller me laver. Le mot de fin sera douche. On va partir à la douche. Je vous fais des gros bisous de fou. Je vous remercie de fou de m'avoir regardé. Ouais, on fera. Je sais pas si ça vous dit, mais de faire le bilan sport chaque mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas par rapport à ça, au sport, à. Filmer les séances c'est un peu compliqué parce que franchement je suis novice de fou et j'ai pas envie aussi de filmer les gens qui dans la salle, tu vois, c'est voilà, les gens ils ont pas le mandat d'être sur YouTube, donc c'est un peu compliqué.
Pour les exercices, je suis pas encore une adepte pour vous montrer mes séances que je fais, nanina, parce que là j'ai aucun résultat, même mes fesses, je vois pas qu'elles ont changé ni quoi que ce soit. Alors, je vous dis, je vois pas de résultat au niveau de mon corps pour le moment, juste à l'intérieur. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez par rapport à tout ça. Je réponds pas aux commentaires, mais je les lis tous. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous, plein de gros bisous. Bonne douche, bon petit déjeuner, bonne semaine, bon dimanche, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les doudous. Rio Cancun Marbella, toi moi soleil ma bella, Versace Gucci Margiela, j'ai la classe comme Manny Rivera. Sicario!